Quand je vous dis que je suis une merde pour faire des choses de la vie, je l'ai passée au sèche-linge. Voilà, elle est foutue. Super, je l'adorais. Je l'avais achetée à Toronto en plus. Putain de merde. Bon, allez, on va prendre l'avion. J'essaye de redonner une forme à ma casquette. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... En tout cas, ça fait de jolies images. Je vous laisse. Je dois frotter. Bon. Oh, bah, mais qu'est-ce que... Il y a un truc qui est arrivé par la poste. Alors, j'ai un peu peur parce qu'il y a écrit Hulk. Il y a écrit Hulk et a priori, c'est j'ai pas commandé un truc avec Hulk dessus. Bon, on verra. Ah là là, du unboxing. Ah mon amour. Voici un unboxing. Et après, je vais te chanter ton générique de Pokémon préféré. Putain. Ça marche bien le scotch. Tintin, 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 tintin. Bon, là c'est bleu. C'est moins bien, je préfère être complètement rouge. Yeah. Officiel, Steven Universe. Officiel. Bon, bah du coup, c'est plus un souvenir de Toronto, mais un souvenir de Miami. J'y suis jamais allé, mais c'est pas grave. Yeah! Je suis à nouveau communiste! Voilà, cette super aventure est terminée. Je vous donne un rendez-vous en dédicace ce week-end, donc le 5 mai, le samedi 5 mai en Belgique, à Louvain-la-Neuve, à un festival de bande dessinée, un festival Diagonale. Voilà. Et la semaine d'après, je serai à Montpellier pour le festival Mags, le samedi et le dimanche en dédicace. Voilà. Je vous laisse ce soir. Je reçois des gens. On va tester un jeu de société que j'ai écrit. Je participe à un jeu qui va sortir bientôt. Il y a plein d'auteurs, dont Antoine Boza, le créateur de Seven Wonders. Et il m'a proposé de travailler avec lui, enfin, dans le même bouquin. Et donc, je fais une histoire extrêmement drôle. À demain. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.